Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur un lait minéral pour le corps de la marque Ahava. Donc je le teste depuis maintenant quelques semaines et aujourd'hui je voulais vous en parler. Donc c'est un produit qui se présente sous forme de flacon pompe de 250 ml, donc j'ai beaucoup apprécié le flacon pompe. Donc moi ce que je fais d'ores et déjà, parce qu'en fait on est en pleine canicule, je pense que c'est général, et il fait vraiment très très chaud. Donc c'est 3 à 4 douches par jour pour pouvoir me rafraîchir, et ce que je fais c'est qu'en fait je le mets dans la porte de mon frigo et j'applique mon lait pour le corps après la douche, c'est vraiment super agréable. Donc il a une odeur vraiment super sympa, c'est à base de prunes vertes et de fleur de santal. C'est pas vraiment une odeur que j'aurais pris, mais c'est pas désagréable du tout. Ça me rappelle d'ailleurs une odeur de quand moi-même j'étais petite, donc une odeur de ma maman ou une odeur de ma mamie, enfin c'est vraiment agréable. La texture, vous avez vu, c'est une texture crème et ça pénètre vraiment rapidement. Donc on a vraiment une très bonne hydratation et ça nourrit en profondeur. Donc une petite anecdote, je suis souvent vautrée dans le canapé, accoudée sur le canapé, et je m'étais totalement irritée le coude. Donc j'avais beau mettre de la crème, ça revenait aussi vite. Et là en fait, depuis que je l'utilise, j'ai vraiment été surprise en fait de son efficacité, puisque ça pénètre vraiment en profondeur, j'ai retrouvé souplesse au niveau du coude. Donc c'est vraiment super important, j'étais limite à avoir des crevasses en fait. Donc c'est vraiment un super produit. Il est à base d'osmotère. Donc l'osmotère, je ne connaissais pas du tout auparavant. C'est normal en fait, c'est un composant exclusif à Ahava. Donc l'osmotère en fait, c'est à base de minéraux issus des eaux magiques de la mer morte. Donc rien que ça, ça donne envie d'essayer. Donc ce lait pour le corps est un lait pour le corps donc minéral, hydratant, nourrissant, donc ça je vous l'assure, antioxydant, assainissant, donc ça je le verrai sur le long terme, mais assainissant, oui je peux dire que ça m'a vraiment réparé, ça aurait pu vraiment mal tourner ce coude. Ce sont des produits sans parabènes et qui sont conçus aussi pour les peaux sensibles. C'est un produit assez sympa qui m'a vraiment donné envie de tester les produits pour le visage ainsi que d'autres produits pour le corps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !